Dans la vidéo précédente, on avait parlé des femmes et des grands magasins. On avait vu que le magasin Au Bonheur des Dames était calqué sur un magasin ayant réellement existé, le Bon Marché, et qu'Octave Morel lui-même était inspiré de son grand patron, Aristide Boussicot. On avait étudié toutes les techniques de vente, des rabais au rendu, en passant par le luxe du bâtiment, tous les types de femmes, de la cliente à la vendeuse, et on avait même vu que chaque femme symbolisait à sa manière la place de la femme dans la société du 19e siècle. Bref, on avait parlé de métaphores, de kleptomanie, Madame Voisin avait fait moins de blagues nulles, sûrement parce qu'elle s'était aperçue que son humour était vraiment douteux, mais surtout, vu comment on parle de la femme, on en était encore à se demander pourquoi c'est un roman féministe. La reprise s'est bien passée pour vous parce qu'aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Aujourd'hui, on va enfin attaquer l'intrigue du roman et étudier avec attention le personnage principal. Oui, tiens, d'ailleurs... Oh, t'es de retour, toi. Bah, évidemment, puisque je suis toi. Bon, ta question. C'est qui, le personnage principal? Comment ça, c'est qui? Bon, d'accord. Qui est le personnage principal d'Au Bonheur des Dames? Lorsqu'on se pose cette question, la réponse la plus simple serait sans doute Octave Morel. Après tout, il est vrai que Au Bonheur des Dames est son magasin, que c'est lui qui commande, qui tire les ficelles. C'est lui le génie, l'artiste de la vente décrit par Zola. Qui plus est, c'est lui qui fait partie de cette grande famille des Rougon-Macquart. Donc c'est lui le personnage principal. Oui... Non. Si Zola avait d'abord pour projet de faire un roman centré sur le personnage d'Octave Morel, force est de constater que ce personnage s'est fait voler la vedette par un autre tout faible, tout chétif, mais qui va venir lui prendre sa place. Ce personnage, c'est Denise. Le personnage principal d'Au Bonheur des Dames, c'est Denise. En effet, c'est sur elle que commence le roman, c'est sur elle que se clôt le roman, et c'est son parcours à elle que l'on va suivre tout au long du roman. C'est autour d'elle que convergent tous les personnages. C'est elle qui est annoncée dans le chapitre 2, et c'est elle qui triomphe dans le chapitre 14. Nous allons donc, dans une première partie, nous centrer sur ce personnage de Denise pour ensuite étudier sa relation avec Mouret. Et enfin, nous étudierons ses rapports avec un autre personnage du roman. L'oncle Baudu? Non. Madame Aurélie? Non plus. Clara Pruner? Ah, bien tenté, mais... Non. Je sache. Nous comparerons Denise avec Geneviève. Geneviève? Eh oui. La dépressive qu'on enterre au milieu du roman? Mais elle est quasiment inexistante dans l'histoire! Alors de une, non, elle n'est pas simplement dépressive. De deux, on l'enterre au 13e chapitre, c'est-à-dire à la toute fin du roman. Et de trois, oh non, elle n'est pas inexistante. Bref, Denise, Octave, Geneviève, voilà notre sujet du jour. Cela nous permet de corriger les textes numéros 2, 5 et 6 du manuel et les séances 1 et 5 du livret de séquences. Bon, parlons d'abord de Denise. Que sait-on d'elle exactement? Quel portrait Zola fait-il de son héroïne de roman? Denise Baudu est une jeune femme de 20 ans, venue de Valogne, ville de Normandie, arrivée à Paris suite au décès de son père. À Valogne, elle travaillait dans un magasin de confection, dont la référence lui permet d'entrer comme vendeuse dans le grand magasin. Elle a deux frères, Jean et Pépé, plus jeunes qu'elle, et agira toujours comme une mère envers eux. Si elle se rend à Paris, c'est pour retrouver son oncle Baudu, drapier, qui, à la mort de leur père, lui a offert par charité une place comme vendeuse dans sa boutique, mais sans penser que Denise viendrait réellement prendre cette place. En arrivant, Denise est donc contrainte d'aller chercher du travail dans le grand magasin, Au Bonheur des Dames, qui l'a tant fascinée lorsqu'elle l'a vue pour la première fois. Denise apparaît dès le début du roman, puisque son nom en est même le premier mot. D'ailleurs, l'auteur l'a décrit dès la première page. Elle, chétive pour ses 20 ans, l'air pauvre, portait un léger paquet. Tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de 5 ans, se pendait à son bras et que, derrière son épaule, le grand frère, dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. Cette description est courte mais donne malgré tout des éléments importants sur le personnage. Premièrement, Denise est pauvre. Son air, son vêtement, ses bagages, tout indique son état de pauvreté. Ce que l'on sait également, c'est que cette héroïne n'est pas seule. L'auteur la décrit immédiatement flanquée de deux frères qui lui seront une charge tout au long du roman. Bref, Denise, dans ce portrait, n'a rien d'une flamboyante héroïne de roman de prime abord. Dans le deuxième chapitre, le portrait de Denise se poursuit lorsqu'elle entre dans le magasin. À chaque étape de son entrée, Denise est dévisagée par les personnages qu'elle croise. Elle-même se montre terrorisée et hésitante. D'abord, c'est Hutin qui la traite de désossée. Mais ensuite, arrivée au rayon des confections, c'est Clara et Marguerite qui se moquent en secret de sa robe et de ses bottines pauvres.
Lorsqu'elle arrive juste après, Madame Aurélie lui dit qu'elle ne fait pas ses 20 ans. Enfin, c'est le coup de grâce. Bourdoncle déclare qu'elle est laide, quand Mouret dit qu'elle n'a rien de beau. Tous s'accordent, et l'auteur le premier, sur la misère de l'apparence de Denise, laide, pauvre et chétive. Denise n'a pas du tout le physique d'une héroïne de roman. Pourtant, un lecteur attentif, comme Mouret lui-même, sent poindre derrière cette petite jeune fille une femme de caractère. Ainsi, Zola déclare-t-il au chapitre 3. Et elle ne put s'empêcher de rire tant l'idée lui parut singulière. Ce fut une transfiguration. Elle restait rose et le sourire sur sa bouche un peu grande était comme un épanouissement du visage entier. Ses yeux gris prirent une flamme tendre, ses joues se creusèrent d'adorables fossettes, ses pâles cheveux eux-mêmes semblèrent voler dans la gaieté bonne et courageuse de tout son être. « Mais elle est jolie !» dit tout bas Mouret à Bourdoncle. Denise n'a que l'apparence d'une femme faible, laide et chétive, mais elle laisse apparaître sous sa carapace de timidité une vraie force d'âme. En effet, si ses débuts dans le magasin sont catastrophiques, Denise se reprend bien vite après son entretien avec Mouret. En effet, voilà ce que Zola dit à son sujet. À partir de ce jour, Denise montra son grand courage. Sous les crises de sa sensibilité, il y avait une raison sans cesse agissante, toute une bravoure d'être faible et seule, s'obstinant gaiement au devoir qu'elle s'imposait. Elle faisait peu de bruit, elle allait devant elle, droit à son but, par-dessus les obstacles, et cela simplement, naturellement, car sa nature même était dans cette douceur invincible. Et elle, si mince, l'air si fragile, résista, pendant que beaucoup de vendeuses devaient quitter les nouveautés, atteintes de maladies spéciales. Sa bonne grâce à souffrir, l'entêtement de sa vaillance la maintenait souriante et droite lorsqu'elle défaillait, à bout de force, épuisée par un travail auquel des hommes auraient succombé. Ensuite, son tourment fut d'avoir le rayon contre elle. Au martyre physique s'ajoutait la sourde persécution de ses camarades. Lorsqu'elle se révéla plus tard comme une vendeuse remarquable, au courant désormais du mécanisme de la maison, il y eut une stupeur indignée. À partir de ce moment, ces demoiselles s'entendirent de manière à ne jamais lui laisser une cliente sérieuse. Denise se révèle être une femme forte derrière son apparence chétive, et c'est justement cette femme forte qui va donner du fil à retordre à Mouret. Il y a néanmoins chez Denise deux caractéristiques, l'une physique, l'autre morale, que l'auteur décrit régulièrement et qui la place au-dessus des autres femmes de la maison. La première, c'est sa chevelure. C'était en effet la seule beauté de Denise. D'un blond cendré, il lui tombait jusqu'aux chevilles. Et quand elle se coiffait, il la gênait, au point qu'elle se contentait de les rouler, de les retenir en un tas, sous les fortes dents d'un peigne de corne. Clara, très ennuyée par ses cheveux, affectait d'en rire, tellement ils étaient noués de travers dans leur grâce sauvage. « Eh bien quoi ?» dit Pauline. « Toutes n'en ont pas de ces crinières ?» L'allusion de Zola aux cheveux de Denise n'est absolument pas anodine. En effet, la chevelure est un symbole fort de féminité et de séduction. D'ailleurs, l'auteur insiste régulièrement sur ce point. On le trouve notamment souligné par l'expression « ces diablesses de mèche ». Denise a donc l'étoffe d'une séductrice. Cependant, contrairement à Clara, elle se montre vertueuse dans toutes les situations, y compris les plus désespérées. Ainsi, lorsqu'elle manque terriblement d'argent et qu'elle doit payer la pension de son frère Pépé, Pauline, son amie, lui conseille de prendre un amant et de se laisser entretenir par lui. Mais Denise refusera toujours cette éventualité. Pourquoi donc n'avait-elle pas un amant ? Cela étonnait, semblait ridicule. Il faudra bien qu'elle succombe un jour. Un soir, Denise n'avait même pas de pain pour la soupe de Pépé, lorsqu'un monsieur décoré s'était mis à la suivre. Devant l'allée, il devint brutal, et ce fut dans une révolte de dégoût qu'elle lui jeta la porte au visage. Puis, en haut, elle s'assit, les mains tremblantes. Le petit dormait. Que répondrait-elle s'il s'éveillait et s'il demandait à manger ? Cependant, elle n'aurait eu qu'à consentir. Sa misère finissait, elle avait de l'argent, des robes, une belle chambre. C'était facile, on disait que tout en arrivait là, puisqu'une femme à Paris ne pouvait vivre que de son travail. Mais un soulèvement de son être protestait, sans indignation contre les autres, répugnant simplement aux choses salissantes et déraisonnables. Elle se faisait de la vie une idée de logique, de sagesse et de courage. Denise s'avère donc, sous une apparence de femme chétive, une femme séduisante mais vertueuse, une femme forte. Bref, une héroïne de roman. C'est à cette héroïne de roman que Mouret va se confronter. En effet, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, celui-ci a pour unique passion de vaincre la femme. Ce n'est donc pas Denise, la mal peignée, qui devrait lui résister. Lors de leur première rencontre, les sentiments de Denise et de Mouret sont loin de l'amour. Denise éprouve d'abord de la crainte pour cet homme, un employeur qui peut la renvoyer à n'importe quel moment. De plus, avant de connaître Mouret pour son emploi dans le grand magasin, elle le connaît par les récits de son oncle. Ainsi, bien souvent, l'image de Madame Edouin morte dans les travaux du magasin lui revient en mémoire.
Mouret, pour sa part, n'éprouve pas grand-chose pour Denise au début du roman. A l'inverse, il déclare la trouver laide à plusieurs reprises. C'est que Mouret ne tient pas les femmes en haute estime. S'il a la passion de la femme, comme il le prétend, c'est surtout pour l'asservir. C'est un coureur de jupons et un grand manipulateur, persuadé qu'aucune femme ne peut résister au stratagème de vente qu'il met en place. Denise, qui n'a qu'une pauvre apparence, ne l'intéresse pas de prime abord. Cependant, leurs sentiments respectifs changent à mesure qu'ils apprennent à se connaître. Denise comprend rapidement que la crainte qu'elle éprouve à l'égard de Mouret est en réalité de l'amour. Mouret, de son côté, éprouve pour elle une curiosité du féminin simplement mise en éveil par la femme troublante qu'il sent naître chez cet enfant pauvre et maladroite. Mouret est intrigué et attiré par cette vendeuse qui, malgré son apparence chétive et les souffrances qu'elle endure, supporte tout avec douceur. Après du mépris, c'est donc de l'attirance qu'il ressent pour elle. Arrive alors la première étape de la relation amoureuse, décrite par Zola au chapitre 10. La porte refermée, Denise, étonnée du sourire discret de cette femme, ouvrit la lettre. Elle se laissa tomber sur une chaise. C'était une lettre de Mouret, où il se disait heureux de son rétablissement et la priait de descendre le soir dîner avec lui, puisqu'elle ne pouvait sortir. Le ton de ce billet, à la fois familier et paternel, n'avait rien de blessant. Mais il lui était impossible de se méprendre. Le bonheur connaissait bien la signification vraie de ses invitations. Une légende courait là-dessus. Clara avait dîné, d'autres aussi, toutes celles que le patron remarquait. Après le dîner, comme disaient les commis farceurs, il y avait le dessert. Et les joues blanches de la jeune fille étaient peu à peu envahies par un flot de sang. Si Denise aime Mouret, Mouret, lui, ne fait que la désirer. Denise refuse donc ce premier rendez-vous. Hein ? Mais tu viens de dire que Denise est elle aussi amoureuse de Mouret ? Oui. Et ? Mais alors pourquoi est-ce qu'elle refuse de devenir sa maîtresse ? Comme on l'a vu, Denise ne veut pas prendre d'amant. Elle sait pertinemment qu'être la maîtresse d'un homme n'a rien d'un attachement solide qui pourrait lui apporter un bonheur durable. Denise refuse donc ce dessert et cela donne lieu à sa première confrontation avec Mouret, toujours au chapitre 10. Vous viendrez ce soir ? Demanda-t-il à demi-voix. Non, monsieur, répondit-elle, je ne pourrai pas. Mes frères doivent se trouver chez mon oncle et j'ai promis de dîner avec eux. À son tour, il était devenu pâle devant ce refus tranquille. Une révolte nerveuse agitait ses lèvres. Pourtant, il se contenait. Il reprit son air de patron obligeant qui s'intéresse simplement à une de ses demoiselles. Voyons, si je vous priais, vous savez dans quelle estime je vous tiens. Denise garda son attitude respectueuse. Je suis très touchée, monsieur, de votre bonté pour moi et je vous remercie de cette invitation. Mais je le répète, c'est impossible. Mes frères m'attendent ce soir. Elle s'entêtait à ne pas comprendre. Il y eut un silence. Par moments, le bruit couvrait les paroles de Mouret qui l'accompagnait du vacarme formidable d'une fortune de roi, gagnée dans les batailles. « Alors quand viendrez-vous » demanda-t-il de nouveau. « Demain ? De quoi donc avez-vous peur ?» Mais elle relevait déjà la tête, elle le regardait en face, et elle dit, en souriant de son air doux et brave, « Je n'ai peur de rien, monsieur. On fait seulement ce qu'on veut faire, n'est-ce pas ? Moi je ne veux pas, voilà tout. Écoutez, je vous aime. Vous le savez depuis longtemps, ne jouez pas le jeu cruel de faire l'ignorante avec moi. Et ne craignez rien. 20 fois j'ai eu l'envie de vous appeler dans mon cabinet. Nous aurions été seuls, je n'aurais qu'à pousser le verrou. Mais je n'ai pas voulu. Vous voyez bien que je vous parle ici, où chacun peut entrer. Je vous aime, Denise. » Elle était debout, la face blanche, l'écoutant, le regardant toujours en face. « Dites, pourquoi refusez-vous ? N'avez-vous donc pas de besoin ? Vos frères sont une lourde charge. Tout ce que vous me demanderiez, tout ce que vous exigeriez de moi... » « Non, non, merci, » répondit-elle chaque fois, sans une défaillance. « Vous ne voyez donc pas que je souffre ? Oui, c'est imbécile, je souffre comme un enfant. Je vous attends ce soir, ou je prendrai des mesures. Non, laissez-moi, je ne suis pas une Clara qu'on lâche le lendemain. Et puis, monsieur, vous aimez une personne ? Oui, cette dame qui vient ici. Restez avec elle. Moi, je ne partage pas. » La surprise le tenait immobile. Que disait-elle donc et que voulait-elle ? Jamais les filles ramassées par lui dans les rayons ne s'étaient inquiétées d'être aimées. Il aurait dû en rire, et cette attitude de fierté tendre achevait de lui bouleverser le cœur. « Monsieur, reprit-elle, rouvrez cette porte. Ce n'est pas convenable d'être ainsi ensemble. » Si Denise refuse, c'est parce que, comme elle l'a dit, elle ne partage pas. Et c'est ce qui surprend Mouret. Rappelons que Mouret prétend aimer les femmes au point de leur avoir bâti un temple, mais que son véritable souhait est de les vaincre. Il déclare que toutes les femmes sont faibles et coquettes et qu'il saura toutes les manipuler. Mouret est d'ailleurs connu pour ses nombreuses maîtresses avec lesquelles il s'amuse. Mais il va aussi se servir de ces femmes, comme Madame Desforges dont il se sert pour ses affaires. Bref, Mouret est l'homme qui déclare avoir réussi grâce aux femmes. Sauf que Denise lui donne tort. Si Mouret veut conquérir Denise, il n'a pas d'autre choix que de changer de stratégie. En effet, il continue et augmente même ses offres, mais Denise refuse toujours ses avances.
Les sentiments de Mouret envers Denise évoluent donc. Contrairement à toutes les autres, Denise ne cède pas et Mouret apprend à la respecter pour cela. Après du désir, c'est donc du respect que Mouret ressent pour Denise. C'est aussi un changement radical pour Mouret, car il tire une leçon essentielle. L'argent ne lui permettra pas d'obtenir l'amour de Denise. Zola montre tout le cheminement intérieur de Mouret qui se retrouve face à ses contradictions. Il était persuadé que l'argent lui permettait de tout lui offrir, mais il se rend compte que, sans Denise, il n'est pas heureux. À quoi cela sert-il d'être le plus puissant et le plus riche, si l'on n'est pas heureux ? C'était surtout pendant son inspection quotidienne des magasins qu'il sentait sa misère. Avoir bâti cette machine géante, régné sur un pareil monde et agonisé de douleur parce qu'une petite fille ne veut pas de vous. Il revenait à la caisse centrale, s'irritait à la vue des coffres forts, marchait au milieu de ces millions dont l'inutilité le rendait fou. Elle disait non, toujours non. Non toujours dans tous les comptoirs, dans les galeries de vente, dans les salles, les magasins entiers. Il allait de la soie à la draperie, du blanc aux dentelles. Il montait les étages, s'arrêtait sur les ponts volants, prolongeait son inspection avec une minutie maniaque et douloureuse. La maison s'était agrandie démesurément. Il avait créé ce rayon, cet autre encore. Il gouvernait ce nouveau domaine. Il étendait son empire jusqu'à cette industrie, la dernière conquise. Et c'était non, toujours non, quand même. Aujourd'hui, son personnel aurait peuplé une petite ville. Il y avait 1500 vendeurs, 1000 autres employés de toute espèce, dont 40 inspecteurs et 70 caissiers. Les cuisines seules occupaient 32 hommes. On comptait 10 commis pour la publicité, 350 garçons de magasins portant la livrée, 24 pompiers à demeure. Et dans les écuries royales, installées rue Monsigny, en face des magasins, se trouvaient 145 chevaux, tout un luxe d'attelage déjà célèbre. Mais il ne descendait même plus visiter ses chevaux, qu'il adorait. À quoi bon cette conquête du monde, puisque c'était non, toujours non. C'est à ce moment que l'idée d'un mariage germe dans l'esprit de Mouret. En effet, l'épouser, c'est lui jurer fidélité, c'est lui promettre qu'elle n'aura pas à partager son époux avec d'autres femmes. Dans le dernier chapitre, Mouret propose donc un mariage à Denise. C'est la scène finale du roman. Vous êtes toujours résolu à nous quitter ? Demanda Mouret dont la voix tremblait. Oui, monsieur, il le faut. Alors il lui prit les mains. Il dit dans une explosion de tendresse, après la longue froideur qu'il s'était imposée. « Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous ? » Mais elle avait retiré ses mains. Elle se débattait comme sous le coup d'une grande douleur. « Oh, monsieur Mouret, je vous en prie, taisez-vous. Oh, ne me faites pas plus de peine encore. Je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu m'est témoin que je m'en allais pour éviter un malheur pareil. » Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. « N'avait-elle pas... » « Quoi ? Pardon ? Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Il lui prend que je n'ai pas terminé ma lecture. Oui, ça va, pardon. Bon. Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison ? Voulait-il donc qu'elle passât aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse ? Non, non, elle aurait de la force. Elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui, torturé, l'écoutait, répétait avec passion. Je veux, non, c'est impossible. Et mes frères ? J'ai juré de ne point me marier. Je ne puis vous apporter deux enfants, n'est-ce pas ? Ils seront aussi mes frères. Dites oui, Denise. Non, non, oh, laissez-moi, vous me torturez. Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Et quoi ? Même à ce prix, elle refusait encore. Au loin, il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Et ce million imbécile qui était là, il en souffrait comme d'une ironie, il l'aurait poussé à la rue. Partez donc, cria-t-il dans un flot de larmes. Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas ? Vous m'aviez prévenu, je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. Elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir. Son cœur éclatait. Alors, avec une impétuosité d'enfant, elle se jeta à son cou, sanglota elle aussi, en bégayant. « Oh, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime !» Une dernière rumeur monta du bonheur des dames, l'acclamation lointaine d'une foule. Le portrait de Madame Edouin souriait toujours de ses lèvres peintes. Mouret était tombé, assis sur le bureau, dans le million qu'il ne voyait plus. Il ne lâchait pas Denise, il la serrait éperdument sur sa poitrine, en lui disant qu'elle pouvait partir maintenant. Qu'elle passerait un mois à Valognes, ce qui fermerait la bouche du monde, et qu'il irait ensuite l'y chercher lui-même pour l'en ramener à son bras, toute puissante. C'est bon, tu as fini ? Bon, très bien. Moi, j'y comprends plus rien. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Il l'aime. Elle l'aime. Il la demande en mariage. Et elle refuse. Ça n'a aucun sens. Mais si, ça en a un. Pourquoi Denise refuse-t-elle d'abord le mariage ? Il est vrai que cela peut paraître un petit peu étonnant au lecteur qui connaît depuis longtemps les sentiments de Denise à l'égard de Mouret. Ce qu'il faut voir derrière le refus de Denise, c'est l'action de l'auteur, Émile Zola. C'est lui qui retarde cette acceptation. Mais quel intérêt trouve-t-il à faire cela ?
la conséquence du refus de Denise, c'est l'incompréhension du lecteur, mais aussi de Mouret. Alors il insiste, il cherche des solutions, mais finit par se rendre compte qu'il n'a plus aucune chance. Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Et quoi ? Même à ce prix, elle refusait encore ? Au loin, il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Et ce million imbécile qui était là, il en souffrait comme d'une ironie, il l'aurait poussé à la rue. « Partez donc » cria-t-il dans un flot de larmes. « Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas ? Vous m'aviez prévenu, je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. » C'est pour cela que Zola retarde l'acceptation de Denise. Il laisse le temps à Mouret d'accepter sa défaite. Au début du roman, Bourdoncle annonçait que les femmes finiraient par se venger des manœuvres de Mouret. « Il y en a une qui vengera toutes les autres », disait-il au chapitre 2. Eh bien, elle est venue, la femme qui vengera toutes les autres. Elle est venue et c'est Denise. C'est d'ailleurs parce que Mouret s'avoue vaincu que Denise peut accepter sa demande. En effet, si elle l'accepte du premier coup, c'est elle qui cède la première et c'est Mouret qui est vainqueur. Mais là, puisque Mouret a reconnu sa défaite, elle peut laisser libre cours à ses sentiments. Voilà pourquoi on considère parfois Au bonheur des dames comme un roman féministe. En effet, si Zola dresse un portrait de la femme assez cruel et cynique, c'est parce que cette femme est vue par les yeux d'Octave Mouret. Or, Mouret est détrompé par Denise, qui vient montrer que la femme peut être autre chose qu'un être faible ou manipulable. Au contraire, Denise, sur qui Zola ouvrait le roman, le ferme également en étant décrite comme étant toute puissante. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la relation entre Denise et Octave. Tout au long du roman, cette relation évolue d'un désir vers un amour sincère et respectueux. Denise, de timide et chétive, apprend à s'affirmer et à donner ses idées, tandis que Mouret apprend qu'il ne peut pas simplement compter sur son argent et qu'il doit s'accepter faible pour pouvoir aimer. Bien, on peut s'arrêter là, non ? Bah non, on n'a pas parlé de Geneviève. C'est vraiment nécessaire ? Oh que oui ! Il est vrai que le personnage de Geneviève est un personnage secondaire, alors que les personnages de Denise et Octave sont les personnages principaux. Cependant, si l'on compare Geneviève et Denise, on étudie le roman sous un angle un peu particulier que l'on n'a pas abordé jusqu'ici, le petit commerce. Qui est Geneviève ? C'est la fille de Monsieur et Madame Baudu, et donc la cousine de Denise. Elle est présentée avec ses parents dès le premier chapitre, lorsque Denise et ses frères arrivent au Vieil Elbeuf. Madame Baudu était une petite femme mangée d'anémie, toute blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs, les lèvres blanches. Geneviève, chez qui s'aggravait encore la dégénérescence de sa mère, avait la débilité et la décoloration d'une plante grandie à l'ombre. Pourtant, des cheveux noirs magnifiques, épais et lourds, poussés comme par miracle dans cette chair pauvre, lui donnaient un charme triste. Dès sa description, la comparaison avec Denise apparaît. Leur physique, chétif et blanc, leur est commun. Mais l'auteur insiste sur une autre de leurs caractéristiques qui leur est commune, leur chevelure. Elles ont, l'une comme l'autre, une chevelure qui est décrite comme remarquable et belle. Cependant, l'une est brune, c'est Geneviève, et l'autre est blonde, c'est Denise. Ainsi, si l'auteur insiste sur la ressemblance entre Denise et Geneviève, c'est en réalité pour mieux montrer leurs différences. Différentes comparaisons peuvent être faites entre Denise et Geneviève, car leurs situations parfois se ressemblent et parfois s'opposent. Ainsi, toutes les deux travaillent dans un magasin de mode. Denise au bonheur des dames, Geneviève au Vieil Elbeuf. Toutes les deux trouvent dans ce travail un intérêt amoureux. Geneviève en la personne de Colomban, le commis de son père, Denise en la personne de Mouret. En revanche, Denise voit ses projets amoureux se concrétiser, puisque le roman se termine sur son mariage avec Mouret, alors que Geneviève est abandonnée par Colomban, qui fuit avec Clara et finit par travailler dans le magasin du Louvre, un concurrent d'Au bonheur des dames. Enfin, leurs destinées sont différentes. Denise trouve le bonheur, tandis que Geneviève meurt dans le chapitre 13. Geneviève prend d'ailleurs toute son importance à la fin du roman. En effet, son destin se noue dans les deux derniers chapitres avant le chapitre final du roman. Geneviève est fiancée à Colomban, un jeune homme commis de Baudu, destiné à être son successeur en épousant la fille du propriétaire et en héritant du magasin. Cependant, on sait depuis plusieurs chapitres que ce mariage entre Colomban et Geneviève est de plus en plus incertain. Baudu repousse plusieurs fois le mariage, prétextant qu'il ne donnera pas le magasin aux jeunes gens s'il n'est pas en aussi bonne santé économique que lorsqu'il l'a reçu. Colomban lui-même fait comprendre qu'il n'est pas pressé. Mais Geneviève découvre rapidement que Colomban est en réalité amoureux de Clara, la vendeuse débauchée du bonheur des dames. Denise lui en fait le reproche, mais cela n'a pas grand effet sur Colomban. Au chapitre 12,
Clara se décide à devenir la maîtresse de Colomban, simplement pour blesser Denise. Elle devient donc sa maîtresse, et Colomban abandonne son poste au vieil Elbeuf et sa fiancée. Cependant, derrière cet abandon, on ne trouve pas que des motifs simplement sentimentaux. Le coup qui acheva Geneviève était la disparition brusque de Colomban. D'abord plaisanté par Clara, il avait découché. Puis, cédant à la folie de désir des garçons sournois et chastes, devenu le chien obéissant de cette fille, il n'était pas rentré un lundi. Il avait simplement écrit à son patron une lettre d'adieu, faite avec des phrases soignées d'hommes qui se suicident. Peut-être au fond de ce coup de passion aurait-on trouvé aussi le calcul rusé d'un garçon ravi de renoncer à un mariage désastreux. La maison de draperie se portait aussi mal que sa future, l'heure était bonne de rompre par une sottise. Et tout le monde le citait comme une victime fatale de l'amour. Geneviève agonise donc, voyant son fiancé partir avec une vendeuse du Bonheur des Dames. Sa mort et son enterrement sont d'ailleurs longuement décrits dans le chapitre 13, où Zola donne beaucoup de détails sur la foule qui assiste à cet enterrement. D'ailleurs, toutes les personnes présentes... Non mais quel intérêt en fait ? Quel intérêt de quoi ? Bah, quel est l'intérêt de ce personnage Geneviève ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi présente ? Non mais sérieusement, Zola ferait mieux de se concentrer sur l'histoire d'amour entre Octave et Denise. Ce serait plus gai. Sans doute, mais ce serait moins réaliste et tu sembles oublier que Zola souhaite avant tout étudier le réel. De plus, si tu me laissais terminer, tu aurais ta réponse. Oh, très bien, très bien. Le lendemain, à 6h au petit jour, Geneviève expirait, après 4 heures d'un râle affreux. Ce fut un samedi que tomba l'enterrement, par un temps noir, un ciel de suie qui pesait sur la ville frissonnante. Le vieil Elbeuf, tendu de drap blanc, éclairait la rue d'une tache blanche, et les cierges, brûlant dans le jour bas, semblaient des étoiles noyées de crépuscule. Des couronnes de perles, un gros bouquet de roses blanches recouvraient le cercueil, un cercueil étroit de fillettes posé sur l'allée obscure de la maison, au ras du trottoir, si près du ruisseau que les voitures avaient déjà éclaboussé les draperies. Tout le vieux quartier suait l'humidité, exhalait son odeur moisie de cave avec sa continuelle bousculade de passants sur le pavé boueux. Dès 9h, Denise était venue pour rester auprès de sa tante. Mais comme le convoi allait partir, celle-ci, qui ne pleurait plus, les yeux brûlés de larmes, la priait de suivre le corps et de veiller sur l'oncle, dont l'accablement muet, la douleur imbécile inquiétait la famille. En bas, la jeune fille trouva la rue pleine de monde. Le petit commerce du quartier voulait donner au Baudu un témoignage de sympathie. Et il y avait aussi, dans cet empressement, comme une manifestation contre le Bonheur des Dames, que l'on accusait de la lente agonie de Geneviève. Toutes les victimes du monstre étaient là, Bédoré et sœur, les bonnetiers de la rue Gaillon, les fourreurs Vampouille frères et Délinière, le bain Blottier, Épiot et Rivoire, les marchands de meubles. Même Mademoiselle Tatin, la lingère, et le gantier Quinette, balayés depuis longtemps par la faillite, s'étaient fait un devoir de venir, l'une de Batignolles, l'autre de la Bastille, où ils avaient dû reprendre du travail chez les autres. En attendant le corbillard qu'une erreur attardait, ce monde vêtu de noir, piétinant dans la boue, levait des regards de haine sur le bonheur, dont les vitrines claires, les étalages éclatants de gaieté, leur semblaient une insulte en face du vieil Elbeuf, qui attristait de son deuil l'autre côté de la rue. Quelques têtes de commis curieux se montraient derrière les glaces, mais le colosse gardait son indifférence de machine lancée à toute vapeur, inconsciente des morts qu'elle peut faire en chemin. On pourrait en effet s'étonner de la présence si importante de Geneviève dans le récit, alors qu'elle n'a que peu de place dans la trame narrative principale, à savoir l'histoire d'amour entre Denise et Octave. Cependant, son rôle n'est pas un rôle narratif, c'est un rôle symbolique. En effet, Geneviève symbolise le petit commerce, ce monde qui s'écroule petit à petit face aux grands magasins qui s'étendent et prennent de l'ampleur en ce 19e siècle. Le point d'orgue de ce symbole se trouve dans son enterrement. En effet, ceux qui assistent n'étaient pas tant proches ou connaissaient bien la jeune fille. Non, ce sont simplement les petits commerçants du quartier qui sont eux aussi ruinés par ce qu'ils décrivent comme le monstre ou l'indifférente machine, le grand magasin. Geneviève apparaît comme la victime ultime de ce grand magasin. Pour tous ces petits commerçants, venir à l'enterrement de Geneviève tient à la fois de l'hommage à la victime du monstre et en même temps de la résistance face à ce monstre. D'ailleurs, ce qui a tué Geneviève, c'est le départ de Colomban. Colomban qui est parti avec une vendeuse du Bonheur des Dames. Ainsi, Denise, à l'image du magasin, s'affirme et s'épanouit jusqu'à son mariage final. Geneviève, à l'inverse, de jeune fille fiancée et en possession d'un héritage, perd tout et finit par mourir, comme le petit commerce de quartier. Dans cette comparaison entre Denise et Geneviève, on trouve donc une autre facette du roman,
à savoir le tournant qui existe au 19e siècle entre petits et grands magasins. C'est l'heure du test, les enfants. Voici 5 questions qui vous permettront de vérifier que vous avez bien compris cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en pause à la fin de chaque question pour avoir le temps d'y répondre. Et comme d'habitude, le corrigé de ce test se trouve en description. Question numéro 1. Quelle caractéristique physique est mise en avant chez Denise et que symbolise-t-elle ? Question numéro 2. Quels sentiments Denise et Octave éprouvent-ils l'un pour l'autre au début de leur relation ? Question numéro 3. Pourquoi Denise refuse-t-elle de devenir la maîtresse de Mouret ? Question numéro 4. Pourquoi peut-on dire que Mouret a été vaincu par Denise ? Question numéro 5. Que symbolise Geneviève dans le roman ? Et voilà, c'est la fin de cette étude d'Au bonheur des dames. Je vous laisse à partir de cette vidéo remplir votre livret de séquences et corriger les textes du manuel. Comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse bien évidemment me les poser par le MT. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au travail !